Salut, salut mes amours, comment est-ce que vous allez? Alors, bienvenue sur ce nouveau numéro de Japaps Echo 237. Je reste et je demeure votre artiste colonel Clarisse Carr, la fille de Beyoncé Camel. Alors, mes yeux adorés, l'équipe Echo 237 s'est encore déportée du côté de Bapa, mais cette fois-ci, c'est pour vous faire visiter un petit mystère que nous allons découvrir tout à l'heure. Alors, c'est parti. Alors, mes amours, c'est sur ce lieu que la population Bapa venait se réfugier car il y avait la guerre. Comme vous voyez, cette grotte était leur cachette. En fait, c'est devenu ici pour nous un lieu sacré. À l'époque, nous savons tous que tout le village de l'Ouest a connu ce qu'on appelait le maquis dans le temps. Donc, tous les villages de l'Ouest ont connu le maquis. Et en ce qui concerne Bapa en particulier, c'est sous cette grotte que les gens venaient se cacher. Donc, quand ils sentaient un coup de feu, quand il y avait la guerre, qu'il y avait un peu le trouble, chacun essayait de fuir pour se protéger de la guerre. Donc, c'est sous cette grotte, je me rapproche pour que vous voyez bien, que les gens venaient se cacher pour sauver leur vie. C'est ça. Comme vous voyez, j'espère que vous voyez bien les virages, voilà ça. Donc, c'est sur cette grotte, c'est ça qui leur servait de cachette. Comme vous voyez là, mes loulous adorés, je me rapproche, vous voyez. Et cet endroit aujourd'hui est devenu aussi un lieu sacré, c'est pourquoi vous voyez des petits trucs au sol là. Bon, dans les villages Bamilékan, c'est un peu ce que c'est. Quand quelqu'un a besoin d'une bénédiction et autre, c'est ici qu'ils viennent adresser leur prière au Dieu. Parce que nous, les Bamilékés, c'est la tradition qui fait notre force, voilà. Donc, voilà notre groupe de protection. Aujourd'hui, c'est devenu un endroit où les gens viennent visiter. C'est ça. Ce gros rocher, vous voyez, c'est tellement gros. C'est pas si je prends. Vous voyez un peu. Le rocher est tellement énorme. C'est pourquoi on appelle Bapa Pangwordon, village des rochers. C'est un peu ça. On trouve des rochers partout, partout, partout. On a même des rochers superposés, comme vous voyez là. On dirait qu'on a seulement taillé un rocher et venu poser sur l'autre. Tout ça, ce sont les mystères de la nature. Et un autre mystère. Regardez un arbre qui pousse sur un rocher. Regardez vous-même. Regardez. Voilà ses racines. Regardez mes lignes. Regardez. Vous voyez ça? Alors mes lignes adorées, j'espère que vous avez aimé cette découverte. On se dit à la prochaine pour un nouveau numéro de Japaps Echo 237. Je vous aime. Bisous, bisous. Et ciao, ciao. À bientôt. We'll be right back.